Et on se retrouve, chers amis, sur une nouvelle vidéo de la soirée mini-jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau jeu qui vient de sortir sur le Play Store. Il s'appelle Craft Legends. C'est un jeu, j'ai bien vu sur le trailer, où tu dois construire ta maison, tu dois combattre entre les joueurs, il y a du PvE aussi. Le petit bonhomme, c'est nous ici. Je vais essayer de débuter, oui, et de comprendre comment ça marche ce jeu. Ce n'est pas une série, parce que j'ai pas mal de séries comme Soldier Inns et Stormfall of Saga of Survival. Et aussi le produit, bon, qu'est-ce que je raconte? Le projet à venir que j'ai même pas fini. Du coup, je vais commencer cette magnifique série qu'on va s'amuser ensemble, hein. Bon, comme d'habitude, on va mettre un pseudo classique, hein, Gron. Parce que j'ai pas d'idée, les gars. Hein. Comment je peux l'appeler? Attendez. Ah, vraiment, ça me fait vraiment un enfant de. Vraiment, on peut dire que c'est. C'est. On dirait dans un film, en fait. Je sais pas pourquoi, mais il me fait rappeler un film. On peut l'appeler comment? C'est bon, j'ai une idée. Voilà. Hextech. Je sais pas pourquoi, mais ne cherchez pas à comprendre. Voilà, j'ai appelé Hextech. Pour X raisons, parce que dans ma tête. Ah non, j'ai une idée. Tahm Kench, les gars. Oui, j'ai joué beaucoup Tahm Kench, hein, ces derniers temps. On va l'appeler comme ça. On peut mettre une Ana ou un mec. Ah, j'ai fait un bug. Ça y est, ça commence. J'ai tout fait bugger, les gars. Comment j'ai fait? Ah, d'accord. Ouais, Minecraft légende, hein. Ça m'a l'air sympa, les animations, déjà. On avance. Hop, hop, hop. Allez, hé, hé. J'avance, arrêtez de pousser. Trois langues jambes que je connais, c'est. Oh mince, j'ai même pas fini. Il parle trop vite en fait. Ah! Elle s'appelle Vena. Vous vous réveillez enfin? Les divinités soient louées. Arrgh! Ma tête! Qui êtes-vous? Je m'appelle Vena. J'ai été capturé moi aussi, comme mon aéronef s'est écrasé. Si vous vous sentez mieux, essayons de fuir. Vena, partez sans moi, tous les deux. Pourquoi est-il dans une cage? C'est un guerrier, un bon ami à moi. Il a été capturé alors qu'il essayait de me sauver. Ah, je me serais tiré. Oh, mais ça parle trop vite en fait, je trouve. Ça va, ce commentaire, les gars. Les textes comme ça va, t'as le temps de lire, mais pas les textes où le mec comme Gary, il le parle et ça part direct. La cage semblait sacrément solide. Pardon? Guerrier, nous reviendrons te chercher, promis. Oh, c'est pas mal, les gars. Faites glisser pour déplacer le personnage. Bon, comme je vous dis, je débute, hein. Je viens de l'installer en plus. Ok. Ouais. Essayez d'ouvrir cette porte. Coup de pied. Oh non, un garde! Vite, vous devez l'empêcher d'alerter tout le camp. Ouais, tout à fait. On tape le mur, les gars, on est comme ça. Mais c'est elle qu'elle tape. Allez, toi, tu meurs. Il a fait tomber quelque chose. Allons voir. Pas mal, sacrée boule de feu. Êtes-vous un mage? On en parlera plus tard. Le garde ne va rester inconscient.
Longtemps, hein, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Inconscient longtemps. Bon, je sais pas. Pardon. Non, partons. Moi, je sais pas parler français. Hein. Comment on ouvre? Ah, il faut cliquer ici. Et on doit descendre. Oh, on peut sauter, les gars, c'est pas mal. Ah. L'eau est profonde. Nous devons trouver un moyen de traverser. Eh bien, c'est une chance d'avoir trouvé cette pioche. Bien, on doit pouvoir former un tremplin avec la poussière. Cette poussière fera l'affaire, mais je n'ai pas assez de force pour la déterrer. Laissez-moi faire. Oh, c'est pas mal. Oh, et vraiment, c'est pas mal. Ah, c'est bien foutu quand même, les animations. Trouvez un endroit adapté pour placer ceci. On pourrait s'en servir de tremplin. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Je suis à bout. Ça va, t'as mis un cube, c'est rien. Mais en fait, on peut sauter, non? Ah non. Je crois qu'on peut pas monter si on saute. Attendez. Saleté? Mais Dieu. Mais on dit pas saleté aussi. Ah ouais, on peut pas. Vas-y, on va poser ce bloc. Saleté. Ok, ça s'appelle saleté. C'est fait, allons-y. C'est pas mal quand même. Oh, mais c'est une ninja, elle. Attends, j'arrive pas à sauter comme elle. Non. Mec, faut créer un parcours jump en vrai. Allez, on va tout taper! YOLO! Boum, 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 boum! Voilà, prends-moi mon coup d'épée! Voilà, toi tu meurs! Allez, ciao! Vous savez vous servir de cette épée? Vous me rappelez un vieil ami à moi! Bref, il y a du charbon et du bois. Prenez-les, ils pourront nous être utiles. Ok, chef. On va faire du barbecue ce soir. Il fait sombre. Mes PM sont trop faibles pour éclairer la route. La route. Une idée? PM, ça veut dire point de mana, hein, ceux qui savent pas. C'est comme dans League of Legends. Hein. Je pourrais fabriquer des torches avec le charbon et le bois que nous avons trouvé. Mais il vous faudra l'allumer. Sans problème. Facile. Avec une table de travail en plus, j'aurais fait quelque chose de dément. Suivez les instructions pour fabriquer une torche en bois. Bon, ok. Fabriquer. Oh là là. Et je pense que je vais faire ça en série, les gars. Hein, il est trop bien ce jeu. Et regardez-moi cette qualité, cette graphique. Non, ça veut rien dire cette graphique. Ce graphisme du jeu, il est tellement top. Éclairage, torche en bois. Oh, c'est comme dans Minecraft, hein, les gars, faut le dire. Sauf qu'il y a du temps pour crafter. C'est n'importe quoi. Ah, dis pas moi qu'il y a un problème de connexion, j'avais m'arraché des yeux là. Ok, c'est oui. Ouais, voilà. J'avais raison. On va voir. Bon, je vais faire une ellipse et on se retrouve quand ça fait plus ce problème. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Attends. Ah d'accord, bon encore une ellipse. Hein. Voilà. Je pense que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce jeu il est en bêta. Hein. C'est normal qu'il est en accès anticipé. Du coup c'est normal qu'il y a des bugs. Hein. Ouais, il faut faire une torche, tachi, tatata, voilà. On va faire notre torche, allez, allez. Fonctionnement, éclairage, torche. Voilà. Normalement, vous voyez, là ça va bugger. Mais comme le jeu il est en accès anticipé, c'est normal. Excellent! À présent, sortez la torche et servez-vous-en pour éclairer votre chemin. D'accord.
Ah, il faut une clé. C'est bon. C'est trop bien. Oh. Voilà, on les a tout shot. Oh, c'est trop bien ce jeu quand même. Il y avait beaucoup de chauves-souris. Heureusement que j'avais créé une torche. Et je vois de la lumière. Une sortie peut-être? C'est un piège. Ça m'étonnerait. On dirait l'antre d'un gobelin. Est-ce un trésor? Cela expliquerait les gardes? Oh! Non! Impossible d'ouvrir cette porte. Je ne veux pas mourir. Je suis bien trop jeune. Je ne peux pas mourir ici. Je dois retrouver la mémoire avant de mourir. Cherchez des coffres. Vous trouverez peut-être quelque chose d'utile. T'as la musique d'ambiance, ça va, elle est pas mal. Des gemmes, ok. Regardez, il y a un cristal scintillant. Est-ce que ce serait... Laissez-moi regarder de plus près. Ah. Wow, yeah, ok. Les gens, les gobelins, ils sont là. Ils arrivent. Vous avez fini? Ce sort de protection et la signature magique serait... Je dois pouvoir l'activer. Ah voilà, fallait sauter les gars. C'est tout? Ben, au diable la magie! Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement derrière vos enchantements. Nous venons vous chercher, inutile de vous cacher. Je le savais! Voilà donc la puissance du cristal archaïque. Eh ben, c'est des mots bizarres, hein. Nous devrions être à l'abri des gobelins ici. Vous avez juste à combler ce trou avec des blocs de bois. Nous aurons besoin de bois pour ça. Pourquoi ne pas essayer d'abattre cet arbre là-bas? C'est pas mal comme jeu. Ouais, c'est pour ça qu'on dit Craft Legend, hein. En plus, on a un bouclier, les gars. Pas mal. Appuie sur la pierre de pioche. Ah d'accord. On utilise la pioche pour abattre un arbre. C'est très la logique, hein, quand même. Pas mal. On dirait qu'il y a de la force dans ses bras. Coupe. Équipez-vous d'une pioche et découpez un arbre. Level up! Voilà! Tout ce bois devrait suffire. Fabriquez des blocs de bois pour réparer la maison. D'accord, chef. Oh, il y a une enclume, les gars. Oh, upgrade. Comment on fait? Des planches de bois. Matériaux, minerais, potions, structure, blocs de bois. Voilà. Allez, boum, 5 planches de bois. Ça m'a l'air bon. Ces blocs devraient convenir. Voilà, j'ai fini ma quête. On a level up. Ok, il faut placer ici. Construction. J'en ai fait 10, c'est pas mal. Voilà, terminer la mission. Ah. Ok, on peut avoir des monstres.
Pour ça, comme je vous ai dit, il y a du PvE et du PvP, hein. Ça va, j'aime bien ce jeu. Je vais le faire sans série, les gars. C'est une bonne idée. Bon, il y aura beaucoup de vidéos à faire, mais bon. Quoi, je dois... Ici? Ok, je dois creuser. J'ai rien compris à la quête. Aller sous terre et extrayer 4 morceaux de minerai. Autre que du charbon. D'accord. Ok, pour avoir du blé, c'est pas mal. Putain, tu me casses les oreilles là, le tutoriel. Voilà. On a fait un petit trou, mais bon, c'est joli. Vous avez déverrouillé une nouvelle fonction. Ok, je vois un petit cadre avec des ballons dessus, je sais pas à quoi ça sert. Vous pouvez utiliser votre cristal archaïque pour vous téléporter à la maison. Ouh, c'est pas mal ça. Améliorer votre enclume pour débloquer plus de recettes. Ok, on peut améliorer l'enclume. Ouais, ça va, j'ai tout. Ah oui, ça coûte des golds en plus. Voilà, j'ai terminé. Essayons de fabriquer des lingots de cuivre. Minerai, lingots de cuivre. Ah mais c'est easy les gars, les crafts. Il faut juste mettre un minerai de cuivre et c'est bon, ça te fait un lingot de cuivre. Normalement il te faut un four, hein. Voilà, je suis têtu, j'en refais, mais bon. Voilà. Voilà. Utilisez ces lingots de cuivre pour fabriquer de nouvelles armes. D'accord, hein? Armes de mêlée, hache en cuivre. T'as 5 secondes, c'est long quand même. Ok. On a nos succès aussi. Il y a ça, ça m'énerve. Ok, on peut planter, ça va. Ok. J'ai terminé le tutoriel, les gars. Ça, c'est top. J'ai ma maison terminée. Ils me disent, regardez, les gars. Ça va me déranger, par contre. Je vais le mettre en haut pour le moment. Les limites de la maison doivent être entièrement protégées par des blocs. Il faut au moins une entrée. Mais tu vas vite quand tu expliques aussi. Ok, j'ai rien compris, mais bon. Je sais qu'il faut de la lumière. Pourquoi il y a... Ok, la limace, tranquille, elle rentre dans ma base. Voilà, au calme. Oh, mais c'est joli, les gars! Et je vais faire ça. Je vais faire ça en série. C'est trop trop bien. Bon, du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui, hein. On peut aussi planter, hein. On a une graine de chêne. Du coup, on va le poser ici. Pas mal, on peut faire. On peut le déplacer aussi. C'est pas mal. Comment on peut le. Ah, comme ça. Voilà, je l'ai planté. Équipez-vous une hache en cuivre de votre sac pour obtenir des attributs. Sac. Tout. Mon hache, je vais la mettre place dédiée ici. Alors le problème, est-ce qu'on peut avoir des lits? Voilà quoi, j'aime bien les lits. Ok, on a débloqué une nouvelle fonction, c'est la tyrolie. Sortons de la limite du cristal et allons couper quelques arbres de douleur. Ça s'appelle comment? C'est garde, elle s'appelle. Ah non, elle s'appelle guide. Secrétaire aux commissions. Mettre en XP. On peut papoter avec lui. Ouais. On va éviter hein, les commissions. Non, merci, mais bon. Alors. Du coup. Oh purée, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Allez, mourez tous.
Voilà. C'est bon. Du coup, on va prendre tout ça. Vous pouvez vous servir du cristal de ville pour vous téléporter chez vous. Ouais, c'est pas mal, hein. Je suis à côté, ça sert à rien. Bon, c'est rapide, mais bon. Extrayez les blocs de pierre trouvés sous votre base. Ok. On va trouver des. On va trouver. Ouais. Ah, extrait. Ah oui, je croyais. Ah d'accord, c'est pas pareil. Du coup, on va utiliser ça, hein. Voilà. Quoi? Regardez. Ok. Ah ok, on peut avoir des trophées. C'est pas mal les trophées. Pourquoi tu me dis sauter? Ça sert à rien de sauter, non? Je dois y aller. Je comprends rien. Il m'a dit extraire. Et en plus, il fait nuit, les gars. Alors, on va faire ça. Hein. Ah, en bas, d'accord. Mais je suis bête des fois. Ok, il faut que je mine en bas. Vous pouvez vous servir d'une pioche. Ça passe vite en fait. C'est ça le problème. Voilà. Oh, pour faire une arbalète, c'est pas mal. Bon voilà, vous avez compris le but, hein. Du coup, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui, hein. Allez, on finit ça et ce sera top. Oui. Attends. Ah, défense statique. Arbalète. Mural. Voilà. On va finir cette arbalète et après on va se laisser là pour aujourd'hui. Vraiment il est top, hein. Je pense que je vais faire ça en série. Il y aura un autre jeu à faire en soirée mini-jeu. Il est toujours en accès anticipé. Mais ça va. Je trouve qu'il est bien ce jeu. Je pensais qu'il est nul mais ça va. Les graphismes, tout c'est bien. Du coup on se retrouve à la fois prochaine. Allez, ciao 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 les bros!